se venger de ceux qui nuisent à nos projets en renversant les leurs. C'est ce que chacun fait. Et c'est ce que nous allons faire nous-mêmes. Madame, vous jouez fort bien la comédie. Avant tout, c'est une comédie. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de portes qui claquent et tout. Au fur et à mesure qu'on a répété cette pièce, on a vu que c'était quand même un peu à la Fedo, un précurseur de Fedo. Monseigneur, il est gris dès le matin. Vous n'y êtes pas. C'est un petit reste d'hier. Oh, fis donc, vilain, qui me parle dans le nez. Moi, je pense qu'ils ont envie de s'amuser, les spectateurs, aujourd'hui. Et ils le font, on le fait avec un texte de qualité. Peut-être aussi découvrir un chef-d'œuvre, finalement, peut-être pas si connu que ça. Je le marie. Et pour prix d'avoir eu par mes soins son épouse, il veut intercepter la mienne. Tendons-nous bien, mon cœur. Point de rendez-vous, point de dot, point de mariage. Je fais endosser un habit de Suzanne à quelqu'un. Surpris par nous au rendez-vous, le comte pourra-t-il s'en dédire ? C'est un auteur que j'aime beaucoup, que j'admire, qui me parle. Et sa pièce est un pur chef-d'œuvre. Et on a toujours envie de monter des chefs-d'œuvre. Tu épouseras Figaro. Tu épouseras pas Figaro. Mon mariage n'est pas encore fait. Pensez de moi. Il m'a fallu déployer plus de science et de calcul pour subsister seulement. Comme un ami depuis 100 ans à gouverner toutes les Espagnes. Et vous voulez jouter ? Je crois qu'ils sont tous fous dans ce pays-ci.